M Radio. Mieux vaut tard que jamais. Est-ce que ça va toujours, Tiffany ? Mais oui, merci mon grand. je t'ai pas dit ma petite fille. Alors. On part en visite dans une école de Seine-et-Marne. Ça s'est passé lundi. Emmanuel Macron a dévoilé les principales étapes de réouverture des lieux publics à partir de début mai. Monsieur le Président, bonjour. Vous avez peut-être la possibilité maintenant de nous récapituler un peu tout cela. Écoutez, c'est très simple. On va y aller étape par étape. Ah. Il y aura l'étape du 3 mai, puis celle de mi-mai et début juin, et sans doute celle de mi-fin juin. Ok, d'accord, très bien. Ensuite, on aura les étapes de mi-fin septembre, début fin octobre et début mi-fin décembre. D'accord. Si on n'a pas entamé un quatrième confinement d'ici là. Très bien. Alors, vous avez parlé aussi de décaler le couvre-feu après 19h. Hein. Oui, et là, ce sera aussi étape par étape. Explication. Le 1er juin, le couvre-feu débutera à 19h01. Mm-hmm. Le 2 juin à 19h02. D'accord. Le 3 juin à 19h03. Et ainsi de suite jusqu'au changement d'heure fin octobre et au retour du couvre-feu d'hiver en novembre. Ok. Non, mais c'est très très clair comme ça, en effet. Et pour les restaurants alors ? Alors pour les restaurants, c'est très simple. On envisage une réouverture selon les régions vers fin juin, début décembre. D'accord. En y pensant comme ça, c'est un peu compliqué quand même votre calendrier là. Oui, bon bah ça va, qu'est-ce que vous voulez ? Un calendrier avec des chatons comme ceux de la Poste ? J'ai pas dit ça non plus. Non, oui, bon bah plaignez-vous pas. Hein. Oh là là. Si j'avais envoyé Marlène Schiappa, vous auriez le calendrier des deux du stade. Depuis quelques jours, le variant indien de la Covid-19 inquiète les autorités sanitaires. Il a déjà été détecté dans plusieurs pays européens et serait encore plus contagieux, hein, selon les experts qui craignent sa propagation rapide. Jean-Marie Bigard, une réaction là-dessus. Ah bah, oui, ça m'inquiète un peu, oui. Attends, c'est quoi déjà les symptômes du variant indien ? Ouais. T'as une plume qui te pousse dans le cul ? Non, Jean-Marie, dis donc. T'as le visage pâle qui devient un peu rouge ? Jean-Marie, c'est un variant qui arrive d'Inde, en fait. D'Inde ? Ah oui, attends, c'est pas celui qui vient te proposer des roses fanées quand t'es en terrasse avec une gonzesse ? Jean-Marie, on parle les clichés. Bonjour, on parle d'un variant dont les principaux symptômes sont des maux de tête et des troubles digestifs. Hein. Ah ben oui, forcément. Quand tu bouffes indien, tu finis souvent avec le croupion en feu. Hein, c'est vrai. Ouais, on est vraiment dans les clichés à deux balles, y a pas de doute. On parle des variants de la Covid, Jean-Marie Bigard. Ah ouais, les variants de la Covid, ouais, tiens, parlons-en. Ah, maintenant, on a l'anglais, le brésilien et l'indien. Mais l'alsacien et le breton, visiblement, ils ont déjà disparu. Hein. Ouais, ça, on n'en parle plus. Ouais, en fait, la Covid, c'est comme Roland-Garros. Les Français, ils sont éliminés au premier tour. Ah. D'ailleurs, il y en a peut-être un que ça aurait inspiré s'il était encore là. C'est Joe Dassin. Hein. Ouais. Écoute. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Aux Seychelles ou aux Açores. Mais aux toilettes d'abord. Toute la nuit, il m'a niqué les intestins. Sans le prix de variant indien. Ah, oh, magnifique. Magnifique. Et voilà. Ah, je ne m'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas depuis fin août. Je suis, mais alors, fan, archi fan. Quel talent, Yann. Merci à tes auteurs aussi qui bossent bien. Hein. Merci aux auteurs. Ah, ils sont nombreux ce matin. David Gencial, James Snow, Michael Turgeman, Pascal Soulier, Christophe Trucchi et Nicolas Aspatoul de la Spatoul. Bah, une fois que t'as payé tous ces gens-là, il te reste quoi? Ah non, mais c'est incroyable. J'espère qu'ils ont une attestation parce qu'ils sont plus de 6 là. Ah oui, dis donc, ça barre là. Merci beaucoup, Yann. On te retrouve demain, bien sûr, dans le M Radio Réveil. Même heure, même endroit. Avec plaisir. Dès votre réveil, vous écoutez le M Radio Réveil de Vincent Cerutti et Tiffany.